Ça fait longtemps que c'est mal parti, cette histoire de bio. Hein. Depuis le départ, ça a été quelque chose qui a été un petit peu tordi. À la base, il y a quand même une volonté relativement, on va dire, saine de valoriser un petit peu le sel qu'on fait, nous, dans les marais artisanaux. Donc la méthode la plus naturelle qui existe, et du coup c'était de se poser la question, mais pourquoi c'est pas rentré dans le bio? Et ça c'était, je sais même pas qui s'est posé la question au tout départ, hein. Moi j'étais pas du tout dans la boucle, c'était il y a longtemps. Du coup ça a été traduit en 2018 par un texte qui a finalement été pas mal tordu, parce que il y a les industriels qui sont un peu dit à sel bio, ça nous intéresse aussi, et du coup t'as aussi les sels de mine qui ont forcé un petit peu pour dire... pas mettre seulement le sel de mer, mais sel de mer et sel d'autres origines, et du coup, sel de mine, etc. etc. Donc ça, dès le départ, en fait, ça a été un petit peu, la volonté de départ a été tordue par des volontés, notamment des pays producteurs, type Allemagne, de sel de mine, hein, type Allemagne et Pologne, etc. Donc ça commençait très mal, et en fait, ça a continué très mal aussi, en 2018, il y a les premières versions d'un texte, une espèce de règlement d'application, hein, de plus précisément pour définir ce que c'est le sel bio, parce que le sel est très peu réglementé, donc faire une réglementation sur le sel bio, sur un produit qui est très peu réglementé en règle générale au niveau national ou au niveau européen, c'est tu pars sur de rien en fait. Donc ils ont commencé à écrire des trucs et c'était du n'importe quoi, sel par explosif, additif en question, voilà. Donc on a tapé du poing sur la table, la Commission européenne elle a réagi en 2019 en disant on va faire une commission d'expertise. Cette commission d'expertise elle s'est réunie en 2020, c'est ça, hein, 2020-2021. Donc j'ai eu la chance d'en faire partie et du coup de pouvoir regarder... voir de l'intérieur comment se passait ce genre de choses, et c'est un petit peu décevant aussi parce qu'on a fait un super travail d'expertise justement pour dire comment on fait aujourd'hui le sel dans le monde et particulièrement en Europe, et parmi ces différentes méthodes, comment on les évalue au regard des principes et des objectifs du bio, c'est-à-dire laquelle consomme le plus d'énergie, laquelle a le plus d'impact sur l'environnement, laquelle a le plus d'impact sur les ressources en eau, laquelle a le plus d'impact en termes aussi social, économique, etc. Et en fait, arrive assez simplement à donner des notes aux différentes méthodes de production. Et il n'y a pas photo, les méthodes de production qu'on produit ici en France, sur l'Atlantique, au Portugal, les productions finalement artisanales manuelles sont les plus naturelles, les moins énergivores, les plus vertueux sur le plan socio-économique, etc. Il n'y a pas photo. La Commission européenne, de nos travaux d'experts, là, justement, elle a pris une partie description justement des différentes méthodes de production, mais qui était très neutre, et elle n'a pas du tout pris cette partie évaluation. Et ça, ça a été un peu le premier scandale de la chose, où ils se sont positionnés d'une façon... d'une très mauvaise façon finalement. Ça c'était en l'année dernière, à peu près à la même époque, là, quand leur rapport, leur synthèse, parce que voilà, il y a nos rapports et il y a la synthèse qu'elle en fait. Et la synthèse qu'elle en a fait était complètement viciée par rapport à ce que nous on avait rendu comme rapport. Et aujourd'hui, donc en 2022, en août 2022, on est à la fin d'un processus de discussion qui est entre la Commission européenne et les États membres, qui sont intéressés par ce sujet-là et qui envoient quelqu'un en discussion, qui sont en ce moment en visio. Du coup, il va y avoir la France, il va y avoir la Pologne, il va y avoir l'Allemagne, il va y avoir l'Espagne, le Portugal, etc. Mais il y en a quelques-uns autres aussi qui sont un peu moins concernés, la Belgique était présente, etc.